Cette cargaison datant de l'Antiquité gisait dans les eaux méditerranéennes, au large des îles éoliennes en Italie. Des plongeurs américains ont commencé à remonter le chargement d'un ancien navire grec. Le butin, des dizaines d'amphores et un autel de sacrifice portant des gravures en grec. L'épave du Panaré à Troyes, qui repose à plus de 125 mètres de profondeur, avait été découverte en 2010. Quatre ans plus tard, le gouvernement italien a fait appel à ses plongeurs spécialisés dans la recherche en eau profonde pour qu'ils aident les archéologues à récupérer la cargaison. La tâche s'annonce longue et minutieuse, les plongeurs ne pouvant travailler que 30 minutes à chaque plongée. Selon les experts, le bateau en bois de 15 mètres de long a navigué entre 218 et 210 avant Jésus-Christ. Il appartenait peut-être à un riche négociant napolitain ou servait éventuellement au ravitaillement des légions romaines.